إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صلى الله سبحانه وتعالى سبيكي فسفابيا. Nous prenons l'occasion pour nous continuer l'explication de la sourate An-Naba. Alors hier, dans l'explication de la sourate An-Naba, nous disons concernant sa sourate, son contenu, de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant un petit chose qui est mouchik. Je tiens la divergence de là, c'est est-ce qu'après la mort, je pourrais vivre. Alors je participe à croire dans le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui après la mort je tenais pour vivre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala amène ça dans la forme une question étonnante des autres parts. Comment une chose aussi claire je peux amener l'iman et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui fait une cause dans différentes actions qu'il fait, dans différentes créations qu'il fait créer pour montrer qu'il pour Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop facile pour qu'il fasse une preuve qui montre qu'il est capable de faire un mot révélé. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous cause concernant la finition de sa surah, quand il cause ban qui fin faire kufr, qui ban finition pour Atanjot, et ban qui fin amène iman, qui ban récompense pour Atanjot. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Inna yawma al-fasli kana miqata » Certainement, Yom al-Fasl, c'est un jour raison. L'autre qui chose. Le jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut être raison, l'autre qui chose. C'est Yom al-Qiyama, les jours du Qiyama. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne chacun ce droit qu'il méritait, tout ban qui l'a la vérité. Il vous montre qu'ils ont la vérité, tout ban qui s'est imposté, il vous montre qu'ils ont imposté. Ce jour-là, c'est le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, les pour faire zizement en bandimoun et les pour montrer chacun qui s'en a qui finit la raison et qui s'en a qui finit la tort. Qu'un ami kota. Alors, ça, c'est une chose fixée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. À part d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne n'a fait la connaissance qu'en poéna qiyam. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même Jibril alayhi wa sallam. Alors, comment rapporter dans le hadith Jibril quand Jibril alayhi salam, tu poses question au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand pour une qiyama? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu dis avec Jibril alayhi salam, c'est lui qui peut poser question, il n'est pas qui connaît, qui c'est lui qui peut être questionné. C'est-à-dire, ni Jibril alayhi salam connaît, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam connaît, et bien, d'autre part, ça, l'éclair pour nous comprendre qu'il est prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas qui connaît. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'autres qui ne pas qui connaît. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul qui connaît quand poéna qiyam. Il est tout seul qui connaît quand poéna qiyam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Yawma yunfakhu fi suri fata'touna afwaja » Jour qui pour faire souffler dans la trompette. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous donne l'ordre à ange pour souffler dans la trompette. Et beaucoup Bandi mentionne qui s'annonce, qui soufflait dans la trompette là, c'est Israfil. Mais il n'y a aucun hadith authentique qui dit que c'est Israfil qui peut souffler dans la trompette. Tout le hadith authentique mentionne un ange qui fait pareil. Il fait attendre l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait guider la direction là-haut que Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait attendre l'autre. Comment il gagne l'autre? Il peut souffler. Et au fait, ça ange là, il soufflait dans la trompette deux fois. Premier coup qui soufflait, c'est Kriyamat prend place, tout le monde mort. Ensuite, il ressouffle une deuxième fois, et ici, il peut faire référence à sa deuxième fois-là, il est la même qui tout le monde pour sortir depuis dans notre kabar, le bout du bout dans le tribunal, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, fatatouna afwaja. Alors, quand vous soufflez dans le deuxième coup de trompette, tout le monde pour sortir groupe par groupe. Alors, groupe par groupe,
在这部书中，我刚才提到，这部书是什么？这部书是从巴拉提的彼得的卡巴尔，而他们为了加入这个群体，所以把穆斯林，都把其他的太阳摆在一边，把其他的偶像摆在一边，把其他的祭祖摆在一边，把其他的伊莎摆在一边，把他们是其他的人摆在一边，把其他的阿拉苏巴纳瓦达本阿杜其实摆在一边，而这是他们如果阿拉苏巴纳瓦达拉离不开万祭祖。Les parmi les gens qui sont contents aussi. Alors, fais attention. C'est très très grave si les gens sont contents, ils habitent l'enfer. Comme beaucoup de gens sont contents, ils sont acteurs, ils sont actrices, ils sont santé, ils sont footballeurs. Alors, fais attention. Si ces gens-là, c'est les gens qui peuvent faire une action qui amène bien de faire l'enfer. Et où, ou content, ça va être des personnes-là. Alors, les jours du Qiyama, on est capable de lever ensemble avec les gens-là. À cause de ça, Anas radiallahu anhu lui dit, parole que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire qu'il est bien content, c'est quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire « Al-mar ou ma'aman ahab » Un du monde n'est pas avec celui qui est content. Alors, Anas radiallahu anhu lui dit, il a l'espoir, il est ensemble avec Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Othman radiallahu anhu, même qui n'est pas fait une action qu'il n'a pas fait. Qui fait juste pour l'amour qui est là, pour 120 personnes. Il y en a d'autres qui plient nous l'amour. Il faut pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour Abu Bakr radiallahu anhu, pour Omar radiallahu anhu, pour Othman radiallahu anhu, pour Ali radiallahu anhu, pour les sahaba en général, pour les aïmma, il y en a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour les nous, parmi 120 qualités du monde. Alors comment il peut nous donner que les jours du Qiyama nous parmi les bons du monde et nous pas parmi les mauvais du monde. Alors c'est à nous de choisir maintenant qui ban qui nous fréquente, qui ban qui nous content, qui ban qui nous peut suivre, afin que les jours du Qiyama nous viennent parmi sa man personne. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala disait, wa futiha bis-sama ou fakanat abwaba. Et pour faire ouvrir l'échelle, et pour énorme, comment dire, la porte de l'échelle. L'échelle, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant l'échelle là-haut, il dit d'une créer sept couches. L'échelle qui vient dure. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, li pour ouvrir, li, si tu en prenant ma ouverture là-dedans, comment dire, il y a la porte à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, li pour faire, ben, ange descend et je vous descends ensemble, comment nous pour apprendre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, li dit, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Et ben, montagne, pour marcher, jusqu'à ce qu'il devienne un mirage, c'est-à-dire qu'il ne peut plus exister. C'est juste du monde pour croire qu'il est dans l'île, mais seulement il ne peut plus exister. Il y en a d'autres qui en ont plusieurs. Dans le Coran qui cause concernant différentes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire avec montagne. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire lui venir la poussière, pour faire lui envoler, pour faire lui aussi disparaître jusqu'à ce qu'il devienne un mirage. Qui finalement, du monde, quand vous êtes beaucoup, est la montagne, mais finalement, plein à aucune montagne. Inna jahannam kanat mirsada. Certainement, jahannam, je fais l'enfer, lui, comme si il peut veiller, il peut attendre ce man du monde venu, ce man habitant venu. Et ça, c'est le moment que le man du monde pour obliger traverse l'eau assurante, l'eau sa pont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mette entre place que nous rencontre avec Allah et Jannah, c'est-à-dire dans l'enfer, qui tout le monde, sans exception, pour bien travailler sur sa pont-là, et en bas sa pont-là, et dans différents enfers. Alors, c'est un moment que le monde pour traverser l'eau, l'enfer-là, l'enfer, l'icône, tout ce monde habitant, alors, il pour ramasser, il pour mettre dans l'enfer. L'étoirine ma'aba. Et ça, c'est demeure, c'est place que ban qui fin transgresse, ban limite l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la place qu'ils ont pas resté. L'enfer, c'est place que ban là pour rester éternellement si je fin mol au kouf ou bien au shirk. Et ban qui fin désobéi à Allah, mais seulement je mol au tawhid, c'est je poil là-bas pour vivre un grand moment. La bithina fiha ahqaba. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous reste dans une longue durée, et un longue durée qui jamais finit. C'est-à-dire, il dit, un
longue durée et qui dit continuer, il y a les mêmes jamais les finis. Et là, malheureusement, je veux dire, Arkoba, il y a longue durée, mais seulement sur longueur, il y a beaucoup. Et dans certaines manes, Oulama, je veux dire, il est capable de 300 bananes, et dans je ne sais pas combien de bananes, mais seulement, ça ne veut pas dire qu'après ça, ban kafir pour sortir depuis dans l'enfer. Non. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une qualité de punition, une longue durée. Ensuite, par divan, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître, après sa longue durée là, qui est arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, t'allais nous partir à l'attention. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la yadoukouna fiha bardaw wa la sharaba. Dans l'enfer, ben habitant l'enfer, je ne peux goûter aucune fraîcheur, c'est-à-dire ben, la brise, ben, l'air frais, je ne peux goûter aucune l'air frais, ou la sharaba, ni je ne peux gagner ben, bon de l'eau qui pour rafraîchir ses œufs. Donc la terre, quand du monde gagne chaud, qu'est-ce qu'il fait? Les routes, elles passent côté nord, l'air. Les routes, elles passent côté cabane, un peu de l'eau frais. Mais dans l'enfer, pas pour une autre chose. Dans l'enfer, il existe salaire et salaire. Illa hamimaw wa rassaqo. Excepté ce qu'ils ont gagné, c'est qu'ils ont gagné hamim. Hamim, c'est un délo qui fait une bouille, un quatre bouille qui n'arrive des replis autres qui capable. Ça, alors la terre nous dit qu'il est non, trop faible ça. Il n'est pas capable de bouillir sa délo là, sa quantité là. Ça, c'est pas un délo qui fait une bouille. Avec du fait qu'il y en a contre Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître quand vite ça l'eau la tête du monde, il descend, il arrive jusqu'à côte sur ventre, ensuite il prend tout, il descend en bas. Alors, si tant ça de l'eau là, il faut dans ce salaire qui dit, pareil que malacide, il faut. Alors, il faut et il saut. Alors, quand il descend, il prend tout, il descend. Alors, ça de l'eau qui appelle Hamim là, si tant il faut, il saut. Ce salaire, si tant faut, il prend tout, il descend. Rassaqo, et là, on va dire, Rassaqo, c'est ben dipi, qui sortit depuis, ben habitant du fait l'enfer, c'est-à-dire quand je vais brûler. Et ça fait mélange avec le sang, alors ça fait ben dipi, sortit avec sa ben dipoula. Et ça brûle ben la rivière. Quand ben habitant l'enfer, c'est ça même qui se bougain, ça qui se dégoûtant là, c'est ça même qui ben habitant l'enfer pour gagner pour boire. Et là, on va dire, Rassaqo, c'est ben fraisseur, extraordinaire qui est dans notre fait l'enfer. Dans l'enfer, il y a des qualités d'enfer. Un, ce salaire extrême, un, ce pressé extrême. Comme la source, sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, l'enfer, il plaît avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il fait manger lui-même. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il donne lui l'occasion pour lui souffler deux coups. Un coup lui souffler dans l'été, un coup lui souffler dans l'hiver. Il y en a même qui, ben, du monde, je gagne plus beaucoup chaud dans l'été, et un jour je gagne plus chaud, et dans l'hiver je gagne plus frais. Alors ça c'est un deuxième tafsir pour Rassa. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit jaza'an wifaqa. Allah subhanahu wa ta'ala donne une qualité récompense qui est similaire à ce qu'ils ont fait faire. C'est ça, c'est basant le bon mauvais action qu'ils ont fait faire sur la terre, c'est sa qualité récompense qu'ils ont mérité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu la yarjouna hisaba. Alors, raison qui fait, je fin arrive dans cette situation-là parce que je vais attendre pour que je gagne, ben, qui tchou kot Allah. Alors, un djimoun qui parle d'un iman, l'eau, la vie après la mort, définitivement, il ne peut pas prendre compte qui calte la vie amener l'eau à terre. Un djimoun qui n'est pas connu, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, puis envoyer l'eau à terre, et qui, les jours du kriyama, peut venir. Et il peut se rendre compte avec Allah, c'est lui qui me fait bon, c'est lui qui adore Allah, et dans le jannat pour lui, c'est lui qui va finalement l'iman, et dans l'enfer pour lui. Quand il n'est pas comme ça, il vit dans la terre, pareil que moi, les animaux peuvent vivre. Lever, manger, boire, après amuser, dormir, ça veut dire ça même son rôle. Mais tandis, un du monde qui est dans l'iman, il ne va pas dire comme ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire connaître qui, ça va, du monde là, à cause que je ne peux pas attendre aucun hisab, c'est-à-dire aucun rendement de compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne peux pas mettre l'iman là, et je ne peux pas attendre ça qui est là, je ne peux pas, et dans l'espoir de ça qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer ça, c'est la cause qui fait, je ne peux pas faire une bonne action. Wa kadhabu bi ayatina kidhaba. Et je fais démentir, nous ban ayat, nous ban verset, nous ban si. Et,
Det må til ekstraordinære. Så altså, hvorfor ikke acceptere, du så man siger her. Kan du så bare lade dig med det? Jeg prøver ikke så lade, give de for en simpel refleksion. En limon, bien organisé pareil, comment capable, fin vin comme ça même, sans aucun créateur. Oubliez un créateur. Un créateur, on voit nous le rater, après qu'il nous comme ça même, faire nous faire ce qu'il a envie, et puis nous pour un compte, puis nous pour rien. Ça fait aucun sagesse derrière ça. Alors, un créateur qui est dans toute sagesse derrière ce bon action, quand il crée, mais la doute qui derrière sa création, qui peut être derrière création, la derrière création Allah subhanahu wa ta'ala et non qui nous a donné un rôle pour nous jouer sur la terre, mais nous avons certaines actions spécifiques qui Allah attend de nous et en retour nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rendre compte avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui conseille de dire wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Et tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui garde ça pour nous dans un livre qui fait mettre ça en écrit. Tout du monde, tout ce que je veux faire. Ou faire ce qui est bon aussi, écrire. Ce qui est mauvais aussi, écrire. Et tout ça là pour présenter les jours du Qiyama, chacun pour gagner ce livre dans ce livre. Dans la même qui va du monde qui fait faire bon, je suis content, je vous dis tout le monde vient lire ce livre. Et ben du monde qui fait mauvais, je ne suis pas content du tout, je vous dis, plutôt pas si gagner même ça, ce livre là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut finir avec nous en garde pour nous guetter, nous. Qui a été action nos vies remplies dans nos livres? Sa livre-là, ce qui nous peut faire, nous-mêmes, c'est ça même qui peut écrire dans sa livre-là. Peut remplir ce qui est écrit. Alors, où était qui pour remplir dans sa livre-là? Et ça, pour présenter les jours du Qiyama, alors, c'est à vous de choisir, est-ce qu'il vous fait une bonne action, qui quand vous trouvez ça dans vos livres, vous êtes content, et vous êtes tout le monde lire, ou bien vous faites une chose qui ou pas vous content les jours du Qiyama. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fadouku. Alors, good finition là, bien. Falan nazidakum illa adaba. Nous ne pouvons pas augmenter pour vous, excepté finition. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître. Qui peut arriver à sa mandibone qui a une finition, une longue durée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut faire avec ça? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour renouveler ça, faire ça une plus pour l'autre. L'autre dunya, n'importe qui chose, hein. Alors, on y met un jifé. Jifé là, prend après. Après, arrive un moment, il peut t'aider. Il diminue ce qu'il finit. Tout quelque chose comme ça. Autrement, il monte après lui, il descend. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, non. Et certains manouraman disent, c'est même ayat qui plie Dieu le man koufar. Qui fait le plus dur le man koufar, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qui, man kafir, je punition pourrait augmenter pour lui-même. C'est-à-dire un long moment, un très long moment. Parce qu'un jour, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est mis le banane, un très long moment, je vous gagne une qualité de punition. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il peut faire, il augmente sa punition-là. Je gagne sa deuxième degré plus fort. Là. Ensuite, après un long moment, Allah subhanahu wa ta'ala réaugmente ça. Finition là, il y a allé comme ça même. Et, man qui, je dis qu'il soit disant, man kafir, je pour sortir, je pour finir, je pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, je, et finition l'enfer, pas pour continuer l'autre, mais il y a d'autres qui s'éteignent pur légalement. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cause concernant, man kafir, comment, à chaque fois qu'il jette la peau, finit brûler, Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'en jette la peau, et pour faire ce qu'il était. Ou faire une bonne punition encore. Et comme ça, même, Allah subhanahu wa ta'ala, une cause qui va là pour autre chose aussi, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait autre reste là-dedans même. Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître qu'il n'a jamais sorti depuis dans l'enfer. Alors, il est important, quand nous prenons un ayat Quran, nous ne parlons que 10 ayat Quran, mais nous prenons tout l'ensemble de sa Quran, tout un ayat qui cause là, quand nous rassemblons tout, et là nous trouvons qu'il y a un doute qui va nous couffer pour rester là éternellement. Et hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a même plus beaucoup d'explications encore, plus beaucoup de précisions encore. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître que quand Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre dans jannat de jannat et dans l'enfer de l'enfer. C'est-à-dire tout le mu'min, même petit degré iman qui est là, malgré qu'il passe dans l'enfer, pour finir chez lui, pour finir mettre dans jannat. C'est-à-dire là pour un aziz habitant jannat, et l'autre côté pour un aziz van kafir van mouchrik qui bouda, il fait l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala amène la mort. Dans la forme d'un mouton,
et du coup faire zaba la mort, ça veut dire Rasul Allah subhanahu wa ta'ala pour dire Astia reste éternellement par rapport à la mort encore. Ça va être tous les deux. Ce man qui prend de la jannat pour rester éternellement, man qui prend de l'enfer pour rester éternellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous tout rendre dans ce jannat sans qu'il ne passe par aucune punition et nous resterons éternellement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous depuis du fait l'enfer. Ensuite, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cause qu'on s'en va kafir, qui, par finalement, l'iman, qui a été punition, je le méritais, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause qu'on s'en va qu'il est iman. Et ça, un style dans beaucoup de surah, dans beaucoup de places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause un style. Parfois, il cause ben, récompense en premier, ensuite, il cause punition. Parfois, il cause punition en premier, ensuite, il cause récompense. Qu'est-ce qu'il fait? Pour qui un démon lit toujours vivre l'orate Allah subhanahu wa ta'ala en la prière et l'espoir. C'est nous la prière pour ne pas gagner punition depuis Allah et nous l'espoir pour gagner récompense contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a doute qui ça lit une qualité qui est très importante parce que si c'est un démon, l'imagine juste pitié Allah, finalement, l'oublié qui est Allah en colère, qui va arriver, il pourrait reste dans la désobéissance à Allah et n'est pas pour eux de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un djibon qui dit connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala se colle ainsi et se met punition aussi, dit faux. Alors, il y a un doute qui sait pour faire dire un père et pas pour faire dire même chose qu'à de la vie que moi j'ai envie de la terre, mais dit pour eux amène un avis qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit de demander pour y amener. Et il y a un doute qui plaît nous iman. Le yom ou l'akhir, dit faux. Il y a un doute qui sait lui faire à nous faire une bonne action en plus. Parce qu'il fait, parce qu'il nous connaît qui ça va de bon action pour présenter dans nos dossiers. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala pour récompense nous. Et comme ça même, il peut faire nous restaurer depuis un PC parce qu'il nous connaît même petit PC là aussi pour présenter. Alors nous pourrions faire et nous pas pour faire PC. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna lil muttaqina mafaza. Certainement, pour ban qui est un taqwa. Et taqwa, ben, ça fait qu'il explique ça. En détail, après le salat al-Maghrib, c'est un djimon qui, je peux faire tout ce qu'Allah finit au de Dieu pour faire, et je peux abstenir de tout ce qu'Allah sur Rasoul finit empêché. Alors, celui qui fait tout ce qu'Allah finit dire et ce que Rasoul sur Rasoul finit enseigner, et il reste loin de tout ce qu'Allah sur Rasoul finit empêché, c'est ça ta quoi. C'est faire tout ce qui, tout ibadat qu'il a offert. Plus on fait avant l'ibadat là, plus on peut augmenter tout ta quoi. Et en même temps, parallèlement, on peut se faire abstenir depuis ce qui est haram. Tout ce qui est haram, sans exception, on peut se faire soin de ça. Quand on a sa qualité là-dedans, on a ta quoi. Et si arrivé on glisse aussi, on arrive à tomber dans certaines manières aussi, de plus vite, on demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'un moutapri, jamais il fait un PC. Non, un moutapri est capable de faire un PC, mais seulement il ne peut pas continuer dans le PC là. Mais comment il tombe dans le PC? Il fait tauba, il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Inna lil muttaqina mafaza. Ça maintenant qui fait la réussite. C'est ces man qui vivent dans l'obéissance à Allah. Amen iman, oui, important. Mais amen iman et faire une bonne action. Vivre dans l'obéissance à Allah. Faire ce qu'Allah sur la soul finit à faire et abstenir de biman haram. Léala, on fait la réussite. C'est ça la réussite. Trop facile pour comprendre comment faire réussite sur la terre. Vivre dans l'obéissance à Allah, c'est qu'Allah a déjà offert, c'est qu'il reçoit sur la somme et enseigne faire. Et ce qui n'est pas fini d'enseigner, abstenir, ou bien ce qui n'est pas empêché d'abstenir, peine à doute que c'est ça la réussite. Hada'iqa wa a'naba. Alors, ça va garder du moulin, je gagne un bon jardin. Et de l'autre côté, je gagne un salaire, pas pour aucun frère qui peut venir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner un bon jardin. Et dans le jardin, il est connu. Avec ce man fraisseur, ce bon lait, et aussi ce man beauté qui est là dans ce man pied, et puis la doute qui man pied qui est là dans Jannah, différent net avec ce qui est là dans la terre. Là-bas, ce tronc en l'eau, et ce man pied bien grand, ce man long bras bien grand, en bas ce man pied là, il y a la rivière qui coulait. Alors, tout ça là, c'est man grand, grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient préparer dans Jannah, ou à un là-bas, et pour une man pied réserve. Pour remplir avec raisin, ça c'est un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner pour montrer que ça va un pied là, c'est un pied qui peut énormément de pied fruit ici. Toutes sortes de fruits et dans les autres ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne différents fruits qui sont préparés pour les habitants de Jannah dans Jannah.
وكواعب أترابا. إيه كوينا عن جلي تفي كي الله سبحانه وتعالى إن إنفني في جل بين لاز ماتيا كت جت تو مم لاز تو شمان تفي مم لاز إذا تو شمان بيج كي أتير من جمون من ميشي ديفينيسيمون إيه الله سبحانه وتعالى فين كوز لمو كوا 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 عيبا لمو كاب مزيان كي تشو كي مونتي chose qui montait. Alors, ça veut dire ça peut faire référence à cette la poitrine qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin fait zot vin mantifi qui, zon fini, vin mantifi, vin grande fille, qui, man misé intéressé pour marier avec zot, ou bien man misé intéressé avec zot. Alors tout ça, c'est man plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala performe man dimon, afin que man dimon, je t'ai intéressé pour faire man bon action, et non la terre, je prends patience pour qui, dimé, je pars. Alvin parmi man qui mérite sa punition. Et puis, il y a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention de certains man, différents plaisirs qu'il y a dans la dunya, dans l'akhirat, dans jannat, différents. Allah subhanahu wa ta'ala, il attire l'attention de là pour montrer que sa jannat-là, ce n'est pas une jannat vide qui peut de nous, hein, mais une jannat qui remplit avec toute qualité plaisir. Et bien souvent, des fois, madame, je te pose question, mais man monsieur, vous gagnez toute qualité, man jolie madame, jolie tifi, man tifi, ça n'est pas pour non, excepté man vierge là-bas. Alors man madame, tout le temps je pose question, mais pour autres qui pour non, il y a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour donner tout du monde ce qu'ils ont satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner autre satisfaction. Et satisfaction là, il vous donne même qui chose. Pas n'importe quoi. Par exemple, man monsieur, vous gagnez plaisir, autres si vous gagnez plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne chacun sa satisfaction qui libise. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ka'san dihaqa. Et ban coupe qui remplit. Ça peut faire référence à ban coupe qui remplit avec ban divin. Et pas tout ce qu'il y a de divin. Ban divin qui est là pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ban divin qui, quand on se met, on mal au cœur. Non. C'est ban divin qui, pour n'a pas enfin. Et définitivement, c'est pas ban divin qui, pour faire du monde, perdre la tête. Ne plus raisonner, cause même chose qui va bien, au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, tout de suite après ça, il dit, la yasmaouna fiha l'arwa wa la kizaba. Alors, malgré qu'ils ont pour boire, ils ont pour gagner sous les gens qui bizarrent, mais c'est moi, je ne l'esprit pas pour aller, en cas d'aller qui, ils ont pour qu'on causer inutile. Mais Allah dit, dans Jannat, n'a pas pourtant aucun ban causer futile, ban causer inutile, pas pour nous. Personne pas pour qu'on causer inutile. Personne pas pour qu'on cause du monde là-bas. Personne pas pour gagner pour faire ribat là-bas. Personne pas pour gagner pour faire du monde là-bas. Chacun pour satisfaire lui-même avec tout bon plaisir qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans sa disposition. Voilà qui est là-bas. Et ni pour un mensonge là-bas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala attire nous l'attention lors des qualités qui, normalement, c'est des qualités qui partent bon lors la terre. À cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre nous qui dans la jannat, pas pour un ça. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala pertient nous l'attention pour qu'il ne va pas venir nous mentir, nous ne va pas mentir jamais. Et comme ça même, nous ne pouvons pas causer inutile. Nous évitons de causer qui n'a pas de profit là-dedans. Surtout, ban palabre, ban kito qui met des ordres en ban du monde. Mais la doute qui ça, c'est ban kito qui est musulman, lui vient l'esprit loin de ça. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Jaza'am min rabbika ato'an hisaba. Alors ça, c'est une récompense de ton rabb. Une récompense, définitivement, il couplie beaucoup, un don qui est en abondance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme rencontre auprès de lui, c'est-à-dire quand nous paye, Allah subhanahu wa ta'ala paye récompense nous pour une action qu'il nous fait faire, et puis la doute qui, sa bonne action qu'il nous fait faire, là, il n'est pas égal à sa bonne récompense. Mais ça, c'est faveur. Allah subhanahu wa ta'ala, nous, à cause de qu'Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, à toi, c'est un don. Un don de ce poste. Si un dimon dit réfléchit, ça va nous faire bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin faire le nous, le dunya là. Mais si c'est pour ça va nous faire bien la même, pour nous remercier Allah, nous ne sommes pas capables. Mais même si il passe pour nous jannat, Allah pas doit nous dans rien. Allah subhanahu wa ta'ala pas doit nous dans rien. Pour ça, quand c'est faveur qu'il vient de nous, le dunya là, ça même suffit pour tout nous ibadat, pas assez pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit que personne ne va pouvoir rendre la jannat par cette action. C'est-à-dire que ce n'est pas quand c'est une action qui vous fait,
ou mérite ta récompense dans Jannah. Non, mais ce n'est pas. Fahri Allah subhanahu wa ta'ala ou. Maintenant, au Rasulullah, et aussi, et moi aussi. Malgré si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ça, ibadat qu'il fait là, ça m'a l'ibadat là, pas égal, Jannah qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait préparer. Nous, nous pas l'ibadat pour qu'il n'y ait pas égal, jamais. Alors, à cause ça, qui. Il ne faudrait pas nous croire qu'il nous fait trop beaucoup. Et là, tu me dis, moi, je fais beaucoup, moi. Je fais beaucoup. Qui pense que je ne fais pas sur la source, sur la salam, tout. Mais il y en a d'autres qui ne font pas beaucoup. Ce qu'on sait qu'il nous fait, si Allah subhanahu wa ta'ala fait à nous, rendre compte, juste pour une faveur qu'il nous fait, nous, ça même, tout nous pas bon qu'il nous fait, qu'il ne fait pas beaucoup là, tout disparaît de ça, manquer tout ça. Alors, à cause ça, qui tant que possible, nous nous restons faire bon, même. Nous continuons faire bon. À cause ça, qui est la source, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve qu'il est financé à nous. Une action qui est obligatoire et une action qui est plus obligatoire qui appelle une nafil. Alors, dans toute action, il y a une nafil. Alors, tout ce nafil là, il est très important pour nous faire et ça, lui montrer nous l'amour pour Allah et en retour, nous gagner l'amour Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner une récompense, mais d'autres, plus du monde qui fait ses efforts, Allah subhanahu wa ta'ala, il plie comme calcul ça. Alors, il peut faire chacun son compte et il peut donner lui un don plus que ce qu'il mérite. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même رب des cieux et la terre. C'est lui qui fait créer tout cela, lui qui contrôle tout cela, lui donne tout ce qui est dans sa nécessité et tout ce qui est dans sa là aussi c'est lui-même qui prend tout compte et nous aussi nous parmi là-dedans. Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, dit celui qui a beaucoup pitié pour nous. C'est pas pitié Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comme tout ça une vérité là pour qu'il nous pas faire dans nous l'examen, pour qu'il nous vienne parmi les qui réussir. Alors, il y en a d'autres qui, sans effort là, nous devons faire c'est bon. Chacun parmi nous, nous devons assumer nos responsabilités. Sinon, nous ne pouvons pas blâmer, accepter nous-mêmes les jours du Qiyama. Là, il y a un nikon à minou khitoba. Alors, ça joue là, les jours du Qiyamah. Personne n'est pas capable de causer. Personne n'est pas capable de dire qu'il sort pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala, lui montre que c'est un jour que tout le monde peut bien humilier 100% Allah. Écoute, dis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous dire, alors je ne suis pas pour aucun droit de la parole. يوم يقوم الروح والملائكة صفا سازولا الروح سي جبريل عليه السلام اي من انس تو من نزوت انس اسف دي من انس سي جبريل عليه السلام لي يسي avec تو من نزوت انس زوت تو بجموت ان صف اي صف كما رسول صلى الله عليه وسلم يفعل نو كوني كي نبزا دبوت دان صف pareil كما من انس دبوت سي pareil كما نو دبوتي دان صلاة كما سامم من انس بو دبوتي انا من علماء زنجير qui m'annonce pour débouter chacun d'après ce rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne. Là, il y a ta kalamoun, malgré que je m'annonce, qui proche avec Allah, je n'ai pas pour cause de rien, illa man adina lahu rahman, excepté celui qui a rahman donne lui permission, wa qala sawaba, et il cause juste la vérité. Il cause juste ce qui est bizarre. Alors, ça joue là, pas capable de cause, bon ami, tout ce qui finit. En place, ça même qui peut causer et Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui peut contrôler partout, c'est qui vous donne permission pour causer, c'est les autres qui pourraient avoir le droit de causer. Dhalika al-yawmul haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce jour-là, c'est un jour de vérité. C'est un jour de vérité qui, si elle peut venir, ça. Et un parmi vous, non, pour yawmul qiyama, c'est al-haqq. C'est yawmul haqq. C'est un jour qui peut venir, ça. Définitivement peut venir, ça. Et ce jour-là, toute la vérité pour venir au clair. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire la vérité triompher tous, partout, dans toutes choses, la vérité pour sortir. Dans toute bonne discussion, dans toute bonne dispute, chacun, ce qui tu prends droit sur camarade, la vérité, ça joue là pour apparaître. Ça, c'est le jour que toute la vérité pour paraître. Alors, celui qui voulait, lui prend le chemin qui amène vers Allah subhanahu wa ta'ala pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit, c'est lui qui voulait. Il n'y a qui lui a choix, c'est-à-dire si nous avons envie ou même pas envie. Non, mais simplement Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qui ça, nous est dans nos capacités ça. C'est nous qui peut choisir, est-ce qu'il nous peut choisir le bon chemin pour nous marcher là,
ou bien nous pouvons prendre les mauvais chemins qui nous mentionnent là. À cause ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout de suite après nous dire Inna anzarnakum azaban qariba. Certainement, nous pouvons avertir concernant une punition qui prêt. C'est-à-dire, si vous tenez un choix, vous avez un rôle qui vous a envie de la tirer. Bien, Allah subhanahu wa ta'ala va vous mettre un choix avec une punition sévère qui prêt. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire une punition qui prêt, parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, clairement prêt. Clairement prêt. Les temps qui nous gagnent pour vivre la terre, c'est un moment facile, bien, tigit. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est un jour quand Allah subhanahu wa ta'ala, 1000 bananes. Un jour. 1000 bananes. Alors, mais ce qui, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça, man qui sont là, il est bien prêt. Et il est bien venu ça. Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada. Jour quand man jibon, pour guetter qui j'ai la main fin faire. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, peut cause qu'on s'en a la main. Mais ce n'est pas ce que l'armée fait faire, mais tout ce que l'armée fait faire, c'est que l'armée fait faire, ou bien causer tout ce qu'on a causé comme causé là, tout ça là, vous pouvez oublier. Ou j'aurais ce qu'on fait, tout ce qu'on entendait, vous pouvez oublier. Ou lisez ce qu'on était, ça aussi vous pouvez oublier. Si quand vous lisez la main, ça aussi vous pouvez oublier. Et bien les autres membres, si je ne fais pas les autres, bien les autres, tout ça là, vous pouvez trouver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause, l'armée, parce que l'armée, c'est sa même membre qui fait du monde faire plus beaucoup d'action. Alors, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer du monde tout ce qu'il définit faire. Alors, ce qu'on fait, c'est même qui vous trouvez. Vous ne pouvez pas vous trouver, vous ne pouvez pas vous trouver. Vous voyez, quand le kafiro, c'est un moment-là, c'est-à-dire, quand ben, du monde vous trouve ça, il y en a d'autres qui sont musulmans, quand vous trouvez une bonne action, je suis content. Mais, ben, kafir, quand je vous trouve ça, une mauvaise action qu'ils ont fait faire, je couvre qu'ils ont fait faire, je chire qu'ils ont fait faire, je désobéissance qui finit là dans eux. Voyez-vous le kafir, ça l'est là, mais le kafir vous dit, « Ya leitani kuntu turaba » Si simplement moi aussi m'ouvre la terre, si simplement moi aussi m'ouvre la terre, ça veut dire, lui, il peut vous rendre compte, il peut vous rendre compte, et il n'y a pas de raison qui fait, je t'en veux la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les animaux, les insectes, etc. Alors, l'eau la terre, capable, et non, qui fait une faire dominer, avec ce camarade, il y a une manche au camarade, etc. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement même entre les animaux. Ban qui tient la côte, qui tient la blesse, ban qui tient la côte. Allah subhanahu wa ta'ala fait ban qui tient la côte, blesse ban qui tient la côte. Ça fait je tout retourne, je procède, ban dito qui je finis faire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait la justice en eux, chacun une rende son camarade, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire jugement la terre. Parce que je peux dans l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner l'esprit qui je mérite. Jannat ou bien l'enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour faire venir la terre. Alors comme un kafir pour trouver ça qui est là, je suis, je bourre, et dans l'espoir de venir parler avec mes animaux. Allah subhanahu wa ta'ala fait je suis venu, Allah fait je suis venu, venir la poussière, venir la terre. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous l'intelligence sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne crée aucun mes animaux sans l'intelligence. Qui fait au revenir comme les animaux les jours du Qiyamah. C'est la même servie où l'esprit vive dans l'obéissance à Allah comme un visage. Et puis il y a d'autres qui promettent Allah subhanahu wa ta'ala livrer. Tout le monde qui fait ses efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul et pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire. Allah subhanahu wa ta'ala pour récompenser comment puis mentionner. À cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve qu'il cause une punition, il cause aussi concernant la récompense qui fait. Parce qu'il pour encourager le monde. Pour toujours faire le bien et non, ça m'a récompensé, ma réalité qui m'a dit monde pour gagner les jours du Qiyama. Alors, il y a d'autres qui s'assurent là, un grand appel pour tout le monde pour que je te retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et je vive dans l'obéissance à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres qui m'ont montré nous des situations de ça m'a dit monde là, d'après cette action que je vais faire. Alors, il y a d'autres qui sont très important pour que chacun parmi nous. Nous faisons que bonne action comme nous vers Jannat et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour nous faire ce manque d'action là et nous récompense nous par ce Jannat et nous reçoit depuis bonne action comme nous vers différents envers et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège nous depuis différents envers. A qu'on le hada wa sallallahu alayhi wa lakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.